parte, contar hoy con nosotros con Charles Michel, que es un periodista, redactor jefe adjunto del diario suizo Letón en Suiza y autor de varios libros, entre ellos uno que esperemos salga pronto publicado en castellano, Marche sur Messieurs, Portrait de l'Iran d'aujourd'hui. Tiene fotos, unas fotos muy interesantes y muy buenas de Paolo Wood y que nos ilustran muy bien de este Irán distinto, este Irán en donde los estereotipos y los prejuicios juegan un papel muy, muy importante. Donc je suis journaliste et j'ai vécu 3-4 ans en Iran, de 98 à 2002. Et puis ensuite, j'y suis retourné plusieurs fois, à chaque fois que j'arrivais à obtenir un visa, ce qui n'est pas très facile. On travaille toujours dans des conditions avec la censure iranienne qui n'a pas beaucoup aimé certains des articles que j'ai faits, donc c'était une négociation compliquée pour retourner. On travaille depuis 10 ans avec Paolo Woods en texte et en images. On travaille ensemble de façon très proche, c'est-à-dire que chaque fois qu'il fait clic, je suis à côté de lui, et chaque fois que je fais une interview, même les plus ennuyeux, il est à côté de moi aussi. L'Iran, c'est un pays très facile à aimer et très difficile à comprendre. Décrire l'Iran, c'est assez difficile. Parce que depuis la révolution, depuis 31 ans, c'est principalement, pour ce qui est des auteurs étrangers, occidentaux, les journalistes qui ont été chargés de décrire l'Iran. Parce que les sociologues, les historiens, les géographes et tous les experts ont de la peine à travailler sur place. Le gouvernement se méfie des gens qui restent trop longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup de clichés qui font que l'Occident aimerait voir dans les contestataires iraniens ses propres enfants. On a l'impression que ces gens qui se promènent dans les rues de Téhéran avec un ruban vert au bras et qui défient le régime, ce sont les enfants de la liberté et que nous sommes la liberté. Mais la réalité est un peu plus complexe. C'est une tentative de description d'un pays, pas une description géographique, mais une description morale, sociétale. Et c'est aussi le contenu des photos que vous allez voir. Elle a un matériel qui est pas mal, mais elle va le renouveler avec un nouveau matériel de Siemens en Allemagne qui coûte 200 000 $. Cette photo, quand on l'a vendue au magasin, on a vendu un reportage au magazine Newsweek, ils ont refusé cette image en disant « on n'accepte pas les photos qui sont « made up », qui sont fabriquées ». Et il n'y a rien de fabriqué, c'est réel. Cette femme, elle gagne bien sa vie, elle est contente de vivre en Iran et elle part une fois par année en vacances, soit en Espagne, soit en Thaïlande. Une autre photo banale, c'est un cours de natation à la piscine municipale de Téhéran. Ce monsieur est un ancien champion de natation du pays. Et la particularité, c'est qu'il a passé 8 ans dans les prisons irakiennes. Il faisait des missions sous-marines, il allait poser des bombes, des mines contre les bateaux, les coques des bateaux irakiens de l'autre côté du fleuve Shatt el-Arab. Ce monsieur-là, il montre à quel point on a, nous, ici en Occident, oublié ce qu'a représenté cette guerre. Une guerre dans laquelle l'Occident était unanimement du côté de Saddam et qui a coûté une fortune en termes de vie humaine et de dégâts matériels à l'Iran. Ça, c'est un jeune rebelle. Il est très occidentalisé dans la mesure où il écoute de la musique rap. D'ailleurs, il joue aussi du rap dans une cave à Téhéran. Lui, quand on lui demande « mais tu ne voudrais pas partir en Occident plutôt que de vivre une vie occidentale dans un pays où tu as quand même certains risques ?» Parce que parfois, il se fait poursuivre par la police et c'est pourquoi il a perdu un doigt. Il dit non, il dit qu'il préfère rester là parce qu'au fond, ce frisson qu'il a à en permanence lutter contre le système, c'est ça qui lui donne la saveur dans l'existence. Et il dit que chez nous, tout est autorisé, tout est permis et que finalement, c'est assez fade. Ça, le personnage avec la chemise violette, c'est un peintre assez connu aujourd'hui, qui a beaucoup de succès en Europe, qui a des toiles achetées par le British Museum. Et il est là dans une effusion, en train d'embrasser son neveu, le féliciter pour son mariage. On a constaté que d'abord, bon, les femmes et les hommes sont séparés. Donc le groupe de musiciens se trouve du côté des hommes, mais les femmes dansent avec la même musique parce qu'elles ont le groupe sur un écran géant de l'autre côté. Et puis, du côté des hommes, en tout cas, il y avait de l'alcool. Et c'est aussi pour ça que le peintre est ici dans une situation assez émue. Un autre cliché absolu de l'Iran, c'est les femmes en tchador. Là, c'est celle de gauche est une théologienne assez fameuse qui enseigne à Machad, dans la ville sainte de Machad, à l'université. Elle enseigne la théologie et plusieurs disciplines islamiques. Elle est l'auteur d'une thèse sur le bonheur dans l'islam. Et puis, elle est aussi spécialiste du ciré. Le ciré, c'est ce mariage temporaire. Vous pouvez décider de vous marier. Ça peut durer de 1 heure à 99 ans.
Ça, c'est justement un couple à Machad qui a conclu un ciré, donc un mariage temporaire. Il y a des gens qui disent que le mariage temporaire, c'est une façon déguisée d'autoriser la prostitution. Et ce n'est pas le cas de ce couple. Son épouse, la première, n'a pas renouvelé parce qu'elle avait entre-temps trouvé un meilleur mari, qui revenait de l'étranger, qui avait plus d'argent. Et donc, elle lui a faussé compagnie et il a fait une dépression pendant une année. Et là, il vient de retrouver une deuxième épouse, aussi temporaire. Et il nous a dit qu'il était en train de tomber amoureux, donc il espère qu'elle, après 6 mois, elle va renouveler. On change un peu d'ambiance, et ce sont des jeunes à Téhéran à qui on a demandé de faire une photo un peu du type mode. Alors ils se sont habillés. Simplement, il y a une piscine, et la piscine, dans ce cas, est plus une affaire de prestige qu'une affaire de sport, parce que comme c'est interdit de se baigner, sinon on peut être vu en maillot de bain par les voisins, il faudrait avoir une piscine complètement couverte ou cachée. Du coup, cette piscine ne sert jamais. Enfin, il y a parfois de l'eau dedans, mais en tout cas, personne ne nage. C'est pour ça qu'on a décidé de faire la photo dans la piscine. Et le personnage au centre, ce garçon, adore la vie en Iran. Il trouve que c'est vraiment très excitant. Il passe beaucoup de temps à draguer des filles. Il y a une avenue spécifique à Téhéran qui s'appelle Jordan, et où vous pouvez tourner en voiture, échanger votre numéro de téléphone par la vitre avec une fille qui serait dans une autre voiture. Et lui nous a dit que son principal problème aujourd'hui, c'était qu'il n'y avait plus beaucoup de filles de 16 ans qui étaient jolies et qui étaient encore vierges. Ça, c'est une femme qui est membre de la bourgeoisie, qui va skier le week-end. Vous savez qu'il y a des pistes de ski assez proches de Téhéran. Elle se distingue parce qu'elle a recouru à la chirurgie esthétique pour son nez, pour ses lèvres, pour ses sourcils. L'Iran, c'est peut-être la capitale de l'opération du nez. Il y a 300 ou 400 jeunes filles chaque jour qui se font refaire le nez à Téhéran, et ça montre que toutes les priorités ne sont pas politiques. Les gens qui font l'opération gardent parfois plus longtemps que normal le sparadrap pour montrer que l'opération a eu lieu. Et aussi, avoir un nez refait, ça vous facilite certaines démarches comme la négociation du mariage. C'est difficile de concevoir l'Iran parce que c'est à multiples facettes. Ce monsieur-là est un basij, c'est-à-dire qu'il assure l'ordre avec des milices le soir. Il se promène et il vérifie que les couples qui sont ensemble sont bel et bien mariés. Il vérifie aussi que les femmes soient bien voilées. Mais lui-même n'est pas tout à fait orthodoxe parce qu'il a des manches courtes, et c'est un indice qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Parce que les hommes sont censés avoir des manches longues. خیره یاده باشه خیره خوده بزن قیده هرچی یادم به کناره میبینی چون نیده یکی هم سنه تو سوار ماشین خدا به پوست غم میزنه میکنی با کینه دعا که منم میخوام آیدا بشم مقدر رو کنم درکش دعا نکن بی اثر نمی کنن درک میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدی باید کور باشی نبینی تو فخر و هر جا کنار خیابون نبینی فقر و فحشا بیدار شو یه آشغال با طرف داره نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره خدا باشو چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دینشو ناراحت از کارم کجا هاشو